qué voy a negar mi amor secreto? Si se nota que te amo hasta en el viento. Ya no sé para qué digo lo que digo. Si me dices que no puedo estar contigo, ¿para qué yo lo repito y lo repito? Que te amo más de lo que había entendido. Tal parece para ti fui solo un juego, o quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Más perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. Solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te amo? Rodrigo, arrête! Mais tu as oublié où l'on était? Tu es devenu fou ou quoi? Non, mais j'ai du mal à me contrôler quand tu es près de moi. En plus, aujourd'hui, c'est vraiment un jour spécial que nous devons célébrer. C'est pour ça que tu es si heureux. Dans ce cas, paie-toi un serpentin, un sifflet, tout ce que tu voudras. Mais ici, dans ce bureau, nous devons garder nos distances. Toi là, et moi ici. Très bien, aujourd'hui je vais t'écouter et je vais souffrir en silence. Oui, il vaut mieux. Et bon, si tu as besoin de quelque chose pour équiper ton bureau, eh bien préviens. Je me chargerai qu'on installe des meubles de bon goût qui correspondent à ton niveau. Bien, en fait, j'ai urgemment besoin d'une secrétaire. Ah, et s'il te plaît, qu'elle soit aussi belle que celle de Leonardo. Ah, bien sûr. J'en ai justement une. Ah oui, d'accord. Tu connais mes goûts, non? Oui, elle est belle. Elle est merveilleuse. Elle s'appelle Dorilda. Elle est excellente. Elle parle parfaitement anglais. Elle connaît le fonctionnement de la société comme personne. Et elle est âgée de 64 ans. Ah, tu vas l'adorer. Tiens tes clés. Ok. Bien, c'est un bon début. Même si tu n'as pas le bureau que tu mérites. Mais très bientôt, tu auras ce que tu mérites, Rodrigo. Et c'est la direction de l'entreprise. Tu es en retard, Tony. Tu as vraiment tout raté. Qu'est-ce qu'il y a? De quoi tu parles, là? Bien, du fait que Madame Altamirano passe de très bons moments pendant le boulot. Écoute, Léo, je t'ai donné un conseil et tu fais tout pour ne pas t'y tenir. Ne t'approche pas de Madame Altamirano. Et sinon quoi? Qu'est-ce qu'elle va me faire? Elle va me virer de la société? Je sais pas, mais si j'étais toi, je le ferais. Écoute, tu es peut-être le fils du gérant de cette entreprise, mais pendant que tu travailles dans ce service, s'il te plaît, évitons les problèmes. Je ne lui ai absolument rien fait. C'est elle qui m'a impliqué dans tout ça. Et c'était sûrement pour me manipuler, mais... Je me rends compte de qui elle est réellement, Tony. Écoute, Léo, tu as beau mener ton enquête, tu ne sauras jamais vraiment qui est cette femme. Cette femme est dangereuse et mystérieuse, Léo. Crois-moi, quand elle veut chercher des noises à quelqu'un, elle y parvient vraiment. Je te donne un conseil, et s'il te plaît, écoute-moi. Garde tes distances avec elle. Je t'ai déjà dit que je comptais être le meilleur gérant qui ait jamais eu dans l'entreprise familiale. Meilleur que ton père et ton grand-père? Le meilleur de tous. Mon projet est de porter les entreprises Ferrandiz là où ils n'ont jamais osé aller. Je vais réaliser le rêve de mon père. Plusieurs succursales dans le monde entier. Waouh. Quelle ambition. Oui. Mais à côté de ça, je veux aussi une famille nombreuse. À moi. Et très heureuse. Un peu le même genre de couple que ta grande sœur et mon père.
Ça va être difficile. Ah oui, et pourquoi? Parce que déjà, tu dois arrêter de mentir. Et tu dois arrêter de faire des paris sur les gens. Tu me le pardonneras donc jamais, hein. Allez. Oui, j'ai été stupide. Et je le regrette chaque fois que je passe du temps avec toi. Et si je te dis que j'en crois pas un mot? Un jour, tu te rendras compte que je suis sincère. Mais pour l'instant, je vais me contenter de cette situation dans laquelle toi et moi, on est seulement des amis. Bon, au moins, je te fais rire un peu. Arrête, j'en peux plus. Je dois partir. Oui, il se fait tard. D'accord, tu veux que je te ramène? Non, merci. Je vais prendre un taxi. En plus, tu n'es même pas rentré à l'entreprise et j'imagine que tu avais des choses à faire. Bon, je dois aller parler à mon père et passer par la clinique aussi, mais il y a du temps pour tout. Allez. Fais-moi ce plaisir. Ils t'ont donné le bureau le plus éloigné, je dirais même le plus désagréable. Bien, bien, bien loin de la zone de la vice-présidence. Oui, c'est ça. J'en voulais un beaucoup plus grand. Mais Alejandra m'a dit que ce n'était que temporaire. Évidemment, Adolfo, c'est une provocation de Leonardo Ferrandis. Elle ne fait que suivre les ordres. Bien sûr que c'est une provocation. Ça serait, je dirais même plus que normal, comme chacun de ses gestes. Mais reste tranquille. Parce que nous allons les faire tomber. Non, bien sûr que non. Tout ça n'est qu'une perte de temps. Ce qui compte le plus, c'est que tu sois au sein de l'entreprise. Que tu puisses te prononcer dans les décisions. Que tu aies accès aux archives, documents, notamment aux secrets des laboratoires Ferrandis. Oui, c'est exact. Eh bien, même si ça ne m'enchante guère, eh bien, je serai ici à faire mes heures de boulot. Pendant que toi, tu seras en voyage à l'étranger. Bien. Je te rappelle que je vais travailler très dur pour atteindre plus rapidement nos objectifs. Et en plus, mon séjour ne sera pas très long. Et le point positif, c'est que je vais revenir avec une bonne surprise. Pour changer cette situation pour tout le temps. Adolfo, tu as confiance en ce... Veux-tu te taire ? Il ne faut pas en parler, les murs ont des oreilles. Il faut vraiment que je sache. Et je peux te donner une réponse. Oui, maintenant c'est le moment. Les Ferrandis n'imaginent pas ce qui les attend. Lena, je t'ai dit que les adultes aimaient se compliquer la vie. Maintenant, la tante Agustina va s'énerver parce qu'on sait des choses qu'on n'est pas censé savoir. Un bon mousquetaire ne dénonce jamais ses camarades, Lena. Et tu nous as balancés. Maintenant, on va aller en prison à cause de ça. Mais c'est que je croyais que ma tante était amoureuse de mon papa. Comment vous allez ici? Irène, je suis contente de te voir. J'ai cru que c'était ma tante qui venait nous emprisonner. À cause de toi, pour avoir posé des questions qu'il fallait pas poser. Lucas, s'il te plaît, ne parle pas comme ça à ta sœur. Elle a sûrement fait ce qu'elle a fait sans aucune mauvaise intention. Sauf que t'es censé être un mousquetaire. C'est de ça dont je voulais vous parler. Je dois vous demander une faveur. Toi aussi, tu vas nous interdire de rentrer dans la chambre de ta maman? Non, ce n'est pas ça. Mais il faut vraiment que pour cet après-midi... Et pour tous les autres, que vous fassiez tout ce que la tante Agustina vous demande. Quand je ne suis pas là, s'il vous plaît, ne l'embêtez pas. Obéissez-lui. Et si elle nous demande de passer 15 minutes sous l'eau sans respirer? Bien, dans ce cas, profites-en pour t'entraîner à être un bon mousquetaire. Je rigole, mon cœur. Elle ne vous demandera pas ça. Mais oui, s'il vous plaît, faites vos devoirs, respectez son travail. N'oubliez pas de ranger votre chambre. Ah oui. Mais l'histoire, on va pas rater la fin. Pour ça aussi, j'ai une solution. Lorsque j'arriverai le soir, nous nous retrouverons tous ensemble dans ma chambre et ma mère finira de vous lire le livre. Et moi, j'entendrai ce qui est arrivé au mousquetaire. D'accord? Oui, génial. Chérie? Tu ne vas pas y croire, maman chérie, mais...
Tu me manquais beaucoup. Ça faisait des heures que je n'avais pas de nouvelles de toi. Je sais que c'est vrai. J'ai parlé avec le docteur et demain, nous rentrons à la maison. Donc, chose promise, chose due. Hein? Mon bébé. Oui. À partir de demain, je passerai 24 heures sur 24 ici, à tes côtés, mon chéri. Bon. C'est vraiment très réconfortant, maman. Merci beaucoup. Bon, d'une certaine façon, c'est plus marrant que de partager cet endroit avec des infirmières qui ne comprennent vraiment pas l'humour de mes plaisanteries. Ah, eh bien, écoute, mon cœur. Mais c'est que tes plaisanteries sont un peu sèches. Moi, je ne suis pas une grande fan. Écoute, moi, je les comprends, mais je ne les aime pas. Dis-moi la vérité. Mes blagues te mettent en colère. Oui, en colère. Bien sûr, elles t'énervent. Oui, beaucoup. Et c'est ce qui te rend la vie plus drôle, maman. Eh bien, mon chéri, écoute, écoute-moi. En parlant de divertissement, l'infirmière m'a raconté qu'une charmante jeune fille est venue te voir. Qui est-ce? Mais c'est une infirmière bien blagueuse, maman. Blagueuse. Bien, tu sais, une de mes fiancées. Rien de plus. J'en ai tellement, mais ne t'inquiète pas, ce n'est rien de sérieux. C'est seulement sexuel. Ah, chérie, s'il te plaît, sois sérieux. Dis-moi, raconte-moi. Ah, je vais deviner. Ah, c'est sûrement l'épouse de Monsieur Finol. Bingo. Mais je crois que dans quelque temps, elle ne sera plus l'épouse de Finol, parce que figure-toi qu'ils sont en plein divorce. Ah oui? Ah, elle est venue te le dire. Mon bébé, je ne l'aime pas du tout, celle-là. Maman. C'est une femme intéressée, une arriviste, et je sais ce qu'elle attend de toi. Maman, allez, maman, arrête ton char tout de suite. Je connais ce refrain par cœur. Reste tranquille. Elle ne me plaît plus du tout, cette Altaïr. Quand elle est venue, j'ai mis les choses bien au clair. C'est vraiment une personne intelligente. Et elle va aller très loin. Ah oui? C'est horrible de voir comment la presse s'est emparée de mon histoire. Ils m'ont traité d'assassin sans cœur. Comme la copine de passage qui cherchait à mettre la main sur sa fortune. Tout ça est bien loin de la vérité, Felipe. La presse écrit toujours ce que les gens ont envie de lire. Attirer l'attention sur le scandale, peu importe le mal que ça peut causer aux personnes impliquées. Ils m'ont condamné, Felipe. Ils ne m'ont jamais laissé le droit de me défendre. Bon. C'est vrai que je n'ai jamais voulu parler, ni voulu faire d'entrevue. C'est que je me sentais si mal. D'accord, mais du calme, Virginia, du calme. Nous allons te blanchir, et nous allons leur montrer à tous qu'ils se trompent. Mais je me fiche des autres, tu comprends? J'aurais aimé que ma mère et ma fille soient convaincues de mon innocence. Tu penses qu'elles ne te croient pas? J'ai une vraie dette envers elles, Felipe. Je voudrais bien leur prouver que je ne suis pas un assassin. Et nous allons le prouver. Nous allons blanchir ton nom, Virginia, et nous allons trouver le véritable assassin. Mais pour l'instant, je dois partir. Tu permets? Bien sûr, Felipe. Je t'en prie. Oui. Je t'ai pris tout ton temps encore une fois. Tu dois avoir beaucoup d'affaires en suspens. Ben oui, j'en ai quelques-unes. Mais est-ce que je peux te demander une faveur? Bien sûr, mon ami, ce que tu voudras. Bien. Je veux que tu gardes ces documents-là, où ils sont depuis des années et à l'abri de tous. Attention, ils étaient au bureau et ils étaient en danger. Oui, ça me semble logique, oui, j'accepte. De toute façon, pour faire illusion, Virginia, je vais garder l'enveloppe. Toi, tu vas garder les documents. Moi, je vais mettre dedans un magazine, quelque chose pour les cacher. Et tu penses pas qu'on pourrait nous surveiller? Il vaut mieux prévenir, Virginia. Demain, à la première heure, je vais aller faire plusieurs copies. Beaucoup de copies. Et comme ça, on gardera ces documents et nous serons protégés. Écoute, tant que cet homme sera en liberté, nous ne serons protégés de rien. Ni ma famille, ni nous. Ils m'ont dit de vous faire signer ces rapports concernant les horaires de travail. Je vais te signer tout ça. Et on peut savoir jusqu'à quand tu vas mouvoyer. On se fait confiance, Léo. En plus, nous sommes presque de la même famille. Ah, c'est vrai. C'est que j'oubliais que tu étais la maîtresse de mon père. Tu penses sûrement être ma belle-mère. Ah, non. Ne dis pas ça, ça a l'air horrible. Belle-mère. Non. Non, non seulement je déteste, mais en plus ça me vieillit. Tiens,
Oui, c'est vrai que je cherche un terme pour pouvoir te qualifier, mais c'est que je ne le trouve pas. Ah, bon. On dirait que tu as été contaminé par la mauvaise humeur de Carlos Ernesto. Non, c'est juste que je déteste les menteuses et les manipulatrices comme toi. Et tu penses vraiment que je suis comme ça? Manipulatrice? Oh, je t'en prie, Léo. Je comprends que ton père ait voulu nier cette histoire entre lui et moi. Ça suffit, Alejandra. N'essaie pas de me convaincre qu'il est pire des menteurs. Je connais très bien mon père. Je le crois plus que toi. Et quand ai-je dit quelque chose de mal sur ton père? Mon père et toi ne couchez pas ensemble. Je crois que tu dois confondre mon père avec Rodrigo Bazanies, qui a plutôt l'air d'être un bon coup. Ah, d'accord, je comprends. Il y a des caméras de sécurité dans toute la société et ton poste te permet de voir beaucoup de choses. Seulement ce que les gens font en public. Rodrigo et moi sommes sortis ensemble à l'université. C'était il y a longtemps. Eh bien, des fois, il lui arrive d'oublier que... Eh bien, que notre histoire est terminée. Et il essaie de me draguer. D'accord. Mais d'après ce que j'ai vu, tu n'avais pas l'air de vouloir l'en empêcher. Bien, je voulais tester mes limites. Et confirmer qu'il n'y avait absolument rien entre lui et moi. Oh, Léo, ce sont des histoires de femmes. C'était une erreur. Et j'espère qu'en tant que gentleman, tu comprendras. Et que tu le garderas pour toi. Ne t'inquiète pas, cette histoire restera entre toi et moi, je n'ai rien à dire. J'ai bien retenu la leçon la dernière fois. Et je sais que se mêler des affaires des autres ne nous apporte que des problèmes. Je te remercie, vraiment infiniment. Je n'oublierai jamais ce service. Ne me remercie pas, et ne me donne rien. Je veux juste te demander une faveur. Oui, dis-moi. Arrête de me raconter des histoires sur ta relation avec mon père. Oui, tu mens. Bien, tu perds ton temps à essayer de me convaincre. Et oui, c'est son problème à lui. Passe une bonne journée. Salut. J'aimerais que ce jour soit déjà arrivé. Non seulement cela va changer le rythme de l'entreprise, mais aussi celui de la maison Leonardo Ferrandis et de son entourage. Ce qui se passe chez eux ne m'intéresse pas. Ni ce qui se passe ici, ni avec cette famille. Je m'en moque. Mais tout cela est lié. Mes intérêts sont tournés vers l'entreprise. Vers l'entreprise pour laquelle j'ai sacrifié ma vie. Et je ne permettrai pas que cette équipe d'incapables en hérite. Sans talent, sans mérite, sans effort. Ils vont la détruire. Qu'en penses-tu rentré de ton voyage? Bien, Rodrigo, il y a beaucoup de choses à régler. De points à finaliser. Pour que le coup soit efficace, c'est sûr. Et si jamais j'ai besoin de toi, où je pourrais te joindre? Tu n'auras pas besoin de moi. Je suis sûr que tu sauras résoudre n'importe quelle situation. Je t'appellerai au moment opportun pour que tu puisses tout régler. Ce sera un jour historique. Rien que de penser à la tête que vont faire les Ferrandis, ça vaut la peine d'être bien vivant. Je prends ça et je le garde dans mon bureau, comme si c'était très important. Toi, tu conserves les originaux. C'est une bonne idée. Fais-moi confiance. Du calme. Tout va bien se passer. Demain, nous ferons des copies, mais tu viendras avec moi. Je veux pas que tu restes seul avec ces documents ici. Ok. Laisse-moi les mettre là où je les avais mis. D'accord. Ah, Felipe, vraiment... Je préfère que tu m'attendes ici. C'est que je ne veux pas que les filles arrivent et interprètent mal les choses, tu comprends? Non, pas de problème. Je t'attends ici, mais vas-y et range-les. Merci. Je reviens. Thank you.
Salut Felipe, comment ça va ? Salut. Qu'est-ce que tu fais là tout seul ? En fait, je parlais à Virginia, elle est allée dans sa chambre un moment. Elle arrive, alors je l'attends pour lui dire au revoir. Tu pars pas à cause de nous, n'est-ce pas ? Non. Ben, si tu veux rester et manger avec nous quatre, parce que je meurs de faim. Ben oui. Ça, c'est parce que t'as pas accepté mon invitation à manger. Mmh. Tu n'as même pas déjeuné. Ah ah ah, j'ai entendu que tu n'avais même pas déjeuné, Maria Lucia. Très mauvaise idée. Tu vas tomber malade, Maria Lucia. Écoute, on va aller jusqu'au port et on va acheter des légumes et de la crème. Non, non, moi je vais juste manger les restes de soupe d'hier, je la réchauffe et voilà. Et pourquoi on commanderait pas une pizza ? Non, jeune homme. Dans cette maison, on mange sainement et maison. J'arrive. Bien, je vais t'accompagner, Virginia. Et je vais une fois pour toutes au travail. J'ai beaucoup de choses à faire. À bientôt. À bientôt. Je reviens tout de suite. Rulio, ben, je veux en profiter pour te remercier pour la glace, pour la conversation et pour tout. Mais je crois qu'il est temps pour toi de rentrer, non ? Je peux entrer ? Mais bien sûr, fiston, entre. Il y a un problème ? Non, papa, c'est que j'ai terminé ma journée. Eh bien, je voulais parler à Irène. Tu sais, je voulais m'excuser auprès d'elle. Bien, elle est à la maison. Elle doit résoudre un des nombreux problèmes concernant tante Agustina. Mais ne t'inquiète pas, tu auras l'occasion de discuter avec elle. Car heureusement, c'est une femme patiente et compréhensive. Oui, c'est une sacrée femme. Tu as vraiment gagné le gros lot avec elle. Je peux te poser une question, car je ne comprends pas, papa. Bien sûr, fiston. Bien sûr que oui. Ne nous étions pas mis d'accord sur le fait que s'il demeurait des doutes entre toi et moi, nous allions en parler face à face. Hein ? Bien sûr. Papa, tu sais très bien quel type de personne est Rodrigo. Et tu sais les problèmes qu'il m'a causés. Pourquoi tu l'as embauché pour travailler dans l'entreprise ? Je t'avais prévenu. Ta bêtise va nous causer des problèmes. Non mais quelle drôle de manière de rentrer dans mon bureau. Oh Rodrigo, ne sois pas ridicule. Je ne suis pas d'humeur, alors écoute-moi bien. Dans chaque coin de cette société, il y a des caméras. Et il y a des gens qui n'ont rien d'autre à faire que de regarder les écrans de contrôle. Bien, je pensais que tu étais la plus intelligente et que tu avais tout sous contrôle avec l'idiot de la sécurité. Eh bien figure-toi que ce n'est pas l'idiot de la sécurité qui nous a vus. C'était l'idiot de fils de Leonardo. Ne fais pas l'idiote, Alejandra, je t'en prie. Tu penses vraiment que ce gamin, avec tous les problèmes personnels qu'il a déjà, va s'occuper de nous ? Non. Écoute, Rodrigo, écoute-moi bien. Si tu me mets en danger par rapport à Leonardo, tu vas me le payer. Et très cher. Je te le jure. Maintenant, tu m'excuseras, mais je dois partir. Maria Lucia va apporter des vêtements propres à maman. Consuelo, si je suis absente quand elle arrive, s'il te plaît, donne-lui la valise qui se trouve sur le meuble. Non, ça ne sera pas nécessaire, madame. On peut très bien laver les vêtements ici. En plus, les filles seront enchantées parce qu'elles adorent leur mère. Ah, Consuelo, je te remercie énormément. Mais je préfère éviter les remarques et les blagues d'Agustina. Ma mère va rester un peu plus longtemps et elle devra se faire toute petite, c'est mieux. Ah, madame, pardonnez-moi cette indiscrétion, mais que cherchez-vous ? Peut-être que je peux vous aider. Ah, voilà. C'est justement ce que je recherchais. Cette femme mal habillée ne va pas s'en sortir comme ça. Et tu sais pourquoi ? Parce que j'ai une carte dans ma manche, une bombe atomique. Et si jamais elle te crée des problèmes ? Tu n'as pas idée de ce que je vais te dire sur elle. Raconte-moi. Quelle est la preuve si incroyable que tu as contre cette petite sorcière ? Et que penserais-tu si je te disais que j'ai des vidéos de la sécurité ? Ou plutôt, que penserais-tu si je te racontais tout ce qui s'est passé ce matin dans le parking ? Ce CD contient des informations très importantes. Je voulais savoir si je l'avais ou non. Mais tout ce pourquoi j'hésite pour l'instant, c'est de savoir si je dois le remettre à Leonardo. Que contient ce CD, madame ? Pardonnez ma curiosité, je vous prie. Consuelo,
Une vérité. Une vérité qui pourrait faire que Leonardo puisse annuler la vente et qu'il voit réellement qui est une personne très importante au sein de l'entreprise. Mais je ne sais pas... Je ne sais pas quoi faire. Est-ce que c'est une question ou s'agit-il d'une affirmation? Parce que je peux vous donner un conseil. Bien, de toute façon, je vais vous le donner. Écoutez, si ce CD contient quelque chose qui peut causer des problèmes à Monsieur Leonardo au bureau, ne le montrez pas. Mais si, en revanche, celui-ci va causer des problèmes dans votre couple, alors montrez-le lui. Parce que s'il y a bien une chose importante dans le couple, c'est la vérité, pas de mensonge. Je suis d'accord avec vous, Consuelo. S'il y a une chose que je souhaite dans la vie, c'est un mariage harmonieux et transparent. En plus, Leonardo a déjà souffert des mensonges et il ne mérite pas que je lui cache une chose pareille. Mais je vais attendre. Je vais le garder au bureau et je vais attendre le moment opportun pour l'utiliser. Ou pas. Julia, demain, ils vont ramener Carlos Ernesto de la clinique. Je vais te donner ces consignes que nous devons suivre au pied et à la lettre. Oui, madame. Allez voir qui c'est. Tout de suite. Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous permettez? Tu me laisses entrer? Je suis venu te dire au revoir. Adolfo Casares a su manipuler les choses. Et il a réussi à se débrouiller pour que je nomme cet individu. Que bien sûr, je connais très bien. Je sais qui il est, et ça ne me plaît pas. Non seulement pour ce qu'il t'a fait, mais parce que ça a toujours été un délinquant, un arnaqueur. J'ai cru que tu avais oublié. Non, tu te trompes là. Mais ne t'inquiète pas parce que je le surveille de près, de très près. Et toi, s'il te plaît, garde le plus de distance possible avec lui. Ne t'inquiète pas, papa. Je ne retomberai pas dans son piège et je sais qui est ce type. Ce qui m'a paru étrange, c'est sa proximité avec Alejandra. Alejandra Altamirano. Eh bien, j'ai cru comprendre que... qu'ils étaient ensemble il y a quelques années. Je suppose qu'ils ne peuvent plus se supporter en ce moment. En plus, cette nomination a vraiment été surprenante pour elle. Bien, j'en doute fortement. Ne me demande pas pourquoi, mais... j'ai l'impression qu'Alejandra et Rodrigo sont bien plus proches que ce qu'ils veulent bien avouer. T'avais des choses à faire et tu dois partir, non? Tu me vires de chez toi? Non, j'essaye tout simplement de mettre les choses au clair. D'accord, et si je te dis que je préfère rester parler avec toi un moment, les autres peuvent attendre? Julio, je préférerais éviter. Je veux pas créer de confusion et que tu oublies notre pacte de... juste amis, sans plus. Sauvé par le gong, moi je réponds et toi tu pars. Allô? Salut, Maria. Je dois te demander un service. J'ai besoin que tu apportes des vêtements propres pour maman et que tu apportes ces médicaments pour la tension qui sont restés dans l'armoire. Pourquoi? Il y a un problème? Elle a encore fait un malaise? Non, pas du tout. En fait, elle va rester un peu plus longtemps. Et il lui faut seulement des vêtements propres. Ah, ok. J'ai eu peur. Bien. Parfait. Je crois que je peux te les envoyer maintenant. Bye. Bisous. Julio, tu as bien fait de rester. Ah oui? Parce que tu peux m'être utile. En quoi? Je dois faire parvenir des vêtements à ma mère. Ce serait bien que tu puisses les lui apporter. Parce que je n'ai pas du tout envie d'aller chez toi et encore moins de voir ton fils. J'arrive. Je n'ai pas l'heure des visites. Mais comme il s'agit de ton avocat, tu as le droit de parler avec lui. Tu as 15 minutes, pas plus. Avocat? On m'a assigné un avocat. Tu as de la chance. Allez, amuse-toi bien.
calme-toi. Ne fais pas cette tête. Écoute, Rodrigo, je ne sais pas ce qui s'est passé, excuse-moi. En fait, je ne pensais pas que tu étais si empoté. Que tu ne t'es même pas rendu compte que ton chef était en train de te surveiller, que tu aurais pu le mettre en danger. Je te le redis, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai été très discret avec les photos. Écoute bien ce que je vais te dire. Tu me balances, tu donnes mon nom, et tu sortiras pas vivant de cette prison. Et tu sais que je plaisante pas. Irène, je me suis vraiment inquiétée pour toi. Comme je ne te voyais pas, j'ai cru que tu étais encore bloquée dans l'ascenseur. Très drôle. J'étais chez moi. Les choses sont aussi compliquées là-bas. Bonjour. Bonjour. Merci. De rien. Enfin, je veux dire, Agustina les complique. Oh, non, 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 madame. Cette femme est un cauchemar. Et pourquoi elle ne part pas tout simplement? Au final, c'est la sœur de la morte et la morte n'est plus là. Ah, Marie-Belle, je t'en prie, ne dis pas ça. C'est la tante des enfants et c'est elle qui s'est occupée d'eux pendant toutes ces années. Bien, mais maintenant, tu es là. Et je ne parle pas pour moi, je parle pour toi. Écoute, si j'avais été à ta place, eh bien, je t'assure que ça fait longtemps que je l'aurais mise à la rue. Arrête. Bon, très bien, je me tais. Bon, et... Tu as retrouvé le CD? Oui, oui, je l'ai trouvé. Je l'ai apporté pour le garder ici. Mais je l'utiliserai seulement quand ça sera vraiment nécessaire. Eh bien, tu vas finir par réaliser que celui qui embrassait la girafe fashionista... S'il te plaît, on en a déjà parlé. Leonardo a beaucoup de problèmes comme ça et je ne veux pas qu'il soit au courant. Que dis-tu, Irène? Aurions-nous encore des secrets? Allez, je prends le sac, mais tu m'accompagnes. Et ensuite, je te ramène. Non, Rulio, tu n'arriveras pas à me convaincre. En plus, je ne veux pas croiser ton frangin. Non, non, c'est injuste. Maintenant, parce que Léo a de nouveau été irresponsable, tu ne viens plus chez moi voir ta mère? Non. S'il y a bien une chose que je dois reconnaître chez mon frère, c'est sa capacité à tout détruire. Nous allons faire un pacte, hein? Ne parlons plus jamais de ton frère. Ok, ça sera facile à faire. Léo n'est pas mon sujet de conversation préféré. Et ça? Qu'il a laissé ici? Je sais pas, c'est peut-être ta sœur qui a voulu amener des affaires à ta maman? Non, je pense pas, parce que Irène vient de m'appeler. Fais voir. C'est quoi ces affaires de bébé? C'est à toi? Ou à mes sœurs? En fait, je n'avais jamais vu cette chose avant. Crois-moi, je connais cette chambre par cœur. À mon avis, ça te concerne. Regarde ce bébé, on dirait toi. Oui. Et là, c'est Virginia, non? Ouais. Sans aucun doute, c'est toi. Comme tu es mignonne. T'as la même tête. Je suis sûr que là, c'est toi. Ce nouveau-né dans les bras de Virginia. Non, Rulio, c'est pas moi. Là, c'est un bébé qu'a eu Virginia il y a longtemps. Et c'est pour ça que ma mère a gardé la photo ici. D'accord, mais ça veut donc dire que tu as une nièce? Je ne savais pas ça. C'est que cette histoire est très triste. Ce bébé n'a pas vécu très longtemps et c'est pour ça qu'on parle pas de lui à la maison. C'est très douloureux, Rulio. Je ne comprends pas. Et mais pourquoi vous fouillez dans les affaires personnelles de maman? Virginia, je suis vraiment désolée. Mais ce bébé sur la photo, c'est bien Maria Lucia. Léna, prête-moi ton taille-crayon. Je vous ai dit de travailler dans le silence absolu. Mais j'en ai vraiment besoin pour la mine de mon crayon. Je te le donne, mais ne dis rien, sinon ma tante va être fâchée. Quand votre père reviendra, je vais parler sérieusement avec lui. Parce que je ne tolère plus le manque de respect. Tu devrais t'en prendre à moi. Mes frères et mes sœurs n'y sont pour rien. Bien sûr que si, bien sûr que si. Toujours à répéter ces choses insensées. Dieu seul sait où ils sont allés les chercher. De la mère d'Irène, avec cette affaire de leur raconter des histoires, elle leur met toutes ses idées dans la tête. Madame Trinidad n'a absolument rien fait. Silence total! Jusqu'à quand aurons-nous des secrets? Je ne sais pas ce que tu as entendu, mais ce n'est pas le cas. J'ai entendu qu'il y avait quelque chose
que je ne devais pas savoir. Mais j'ai été très clair. Je veux que tu me dises toujours la vérité et que vous arrêtiez de me protéger. Mon cœur. Je ne veux pas que tu le prennes comme ça. C'est seulement qu'il y a trop de problèmes sérieux ici. Je ne veux surtout pas te déranger pour des sottises. Et pourquoi ne pas me laisser décider si ça m'intéresse de connaître ces sottises ou pas, Irène? Oui, pardonne-moi, mais je ne l'avais pas vu sous cet angle. Ceci étant dit, je vais dire la vérité. Irène, ne me regarde pas comme ça. Écoutez, Monsieur Ferrandis, Madame Altamirano fait des choses pas très catholiques avec Monsieur Bazagnès. Je les ai vus. Ça, je le savais déjà. Ce n'est pas vraiment important. Vous ne devriez pas vous attarder là-dessus. Oui, monsieur. Elle m'a raconté que, pendant l'université, ils étaient ensemble, mais ça n'a pas duré. Vous savez très bien comment est Alejandra. Elle est très franche pour tout et... Maintenant, rentrons à la maison. Là-bas, il y a des choses dont je dois m'occuper. Rodrigo, je ne vais pas te balancer. Tu dois me faire confiance, mais aide-moi, sors-moi d'ici. Ça ne va pas être possible. Non, parce que tu m'as mis en danger. Et en y réfléchissant bien, si tu es disposé à me protéger, je pourrais y repenser et faire quelque chose pour toi. Je ne dirai rien, Rodrigo. Écoute, je suis une tombe. Felipe n'apprendra jamais qui tu es, ni les intentions que tu avais. Ça, personne ne le sait, et encore moins toi. Ne crois pas que tu me connais, Martin. Je préfère même que tu oublies mon nom. Maintenant, raconte. Que contenaient ces documents, Martin? J'ai pris une photo rapide. Bien, je me rappelle qu'il y avait quelque chose. Sur Ferrandis, le type qui a été tué. Et Rebecca. Une certaine Rebecca. Et quelques examens médicaux aussi. Des examens? Oui, qu'est-ce c'est que ça disait? Qu'est-ce qu'il y avait sur ces examens? Un truc sur un enfant. Un enfant, un bébé... Et mon appareil. Mon appareil, Rodrigo. La police l'a pris. Peut-être que si on le récupère... Non, oublie l'appareil. Ça ne va pas être possible, alors. Pour l'instant, rappelle-toi. Rappelle-toi ce que contenaient ces documents. Martin, tu dois te rappeler. Le temps s'est écoulé. D'accord, Martin. Tu sais, hein? Essaye de faire travailler ta mémoire. Écoute, ta libération en dépend. En dépend vraiment. Maribel n'aurait pas dû t'en parler. C'est justement ce que je lui disais lorsque tu nous as surprises tout à l'heure. Elle n'aurait pas dû te déranger avec ces histoires. Non, je ne te cache pas que je m'inquiète. Qu'Alejandra ait affaire avec ce type. Mais ce qui me dérange, c'est que vous me cachiez des choses simplement pour me protéger. Ça ne se reproduira pas. Léo aussi pense qu'entre deux, il se passe quelque chose. Et bon, deux informations de deux personnes différentes à ce sujet, ça fait réfléchir. Pourquoi ? Parce qu'Alejandra gère les informations et des documents confidentiels de l'entreprise. Et Bassagnès est un menteur. Et est-ce que tu crois qu'elle peut lui donner des informations? J'ai toujours confiance en elle. Et elle a toujours été fidèle à l'entreprise. Mais qui sait, en ce moment, elle est blessée au point de vue sentimental. Et elle pourrait tomber dans les bras du premier venu. Leonardo, elle a toujours su ce qu'elle voulait et elle a toujours tout fait pour l'obtenir. Oui, mais sans mauvaise intention. Si tu la connaissais mieux, tu ne la jugerais pas aussi durement. Parce qu'elle a fait beaucoup de sacrifices, tu sais. Est-ce que tu veux dire que tu veux que je sois son amie maintenant? Je t'en prie. Ça, c'est à toi d'en décider. Par contre, tu es bien trop dur quand tu la juges sévèrement. Moi? Moi, Leonardo? Justement, c'est moi qui ai été une victime dans toute cette histoire et tu me dis que je suis injuste avec elle? Irène, je t'en prie, comprends-moi. Ce que je veux dire, c'est que tu es une femme beaucoup plus compréhensive, plus équilibrée, plus juste. C'est pour ça... qu'à ce niveau-là, tu es supérieure à Alejandra. Donc c'est à toi de faire des efforts pour la comprendre. Je savais que tu résisterais pas à la tentation de venir ici. Pourquoi tu es là? Pour menacer Martin? Pardon, c'est à moi que vous parlez? Bien sûr, je m'adresse à toi, imbécile.
Tu es venu faire chanter Martin ? Martin ? Martin qui ? Parce que je ne connais pas. Comme ça, tu fais l'innocent. Tu es venu lui proposer de l'argent ? C'est bien ça, non ? Ou pire, tu l'as menacé de mort ? Monsieur, j'ignore de qui vous parlez, mais ce sont là des accusations très graves. Je ne le connais pas, je crois plutôt que vous vous trompez de personne. Non, celui qui se trompe, c'est toi. Laisse Virginia et sa famille tranquille, sinon je te promets que moi, je vais personnellement me charger de toi. Irène. Irène, attends s'il te plaît. Ce que je te demande, c'est pour le bien de tous. De toutes les fois où Alejandra m'a humiliée, attaquée et accusée injustement, dis-moi combien de fois as-tu pris si généreusement ma défense, hein ? Combien de fois as-tu eu cette conversation avec elle sur un ton conciliateur ? C'est qu'Alejandra n'est pas mon épouse, mais mon employée. C'est justement ça. Je suis ton épouse. C'est moi que tu devrais protéger. C'est à moi que tu devrais faire confiance. Irène, s'il te plaît, comprends-moi. Que veux-tu que je comprenne ? Leonardo, mon Dieu ! Tu as décidé de mettre fin à tes fiançailles avec elle et de te marier avec moi. Je ne dois absolument rien du tout à Alejandra. Rien du tout. Irène, mais enfin, je t'en prie, ne l'interprète pas de cette manière. C'est ce que je comprends, Leonardo, quand tu me demandes d'être émotionnellement juste et correcte avec elle. Ah, la pauvre petite a trop souffert. Oui, parce qu'elle a trop fait de sacrifices. Que veux-tu ? Que je me mette à la consoler ? Non, Leonardo, c'est dommage. Mais ça, ce n'est pas mon problème. Non. Maintenant, non. Que vas-tu faire ? Tu ne rentres pas ? Non, maintenant, non. Je ne veux surtout pas que ma mère et les enfants me voient comme ça. Decir que